Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi. Non, pas question. On a parlé du cercueil, point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, t'as eu ton scoop, chérie. Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard. Sully, on a des ennuis, magne-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Comment nous ont-ils retrouvés ici? Ces types me suivent depuis des semaines, je pensais en être débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est une longue histoire, tu sais. Ces types t'aiment pas beaucoup, non? Assez bavardé, faut tirer! Dépêche, Sully. Ils montent à bord! Ah non, je crois pas. Jouer dur. Tu vas te comprendre. Oh, Sully, tu fais quoi là? Arrêtez-le. Ah, ça craint, là. Qu'est-ce que c'est? Wouh! Allez, Sully! Je crois que je peux dire adieu à ma caution. La cavalerie est arrivée! Oh, Dieu merci! Oh non! Ah, zut! On va sauter! Faut qu'on plonge! Ouais! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Ok! Allez! C'est bon! Viens! Ok! Mmh.
te laisser seul une minute, mon pote. Hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Mm. Oh. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Flotte espagnole par surprise. Il captura leur navire, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors, mais, de retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? C'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein? Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais. Eh bien malheureusement non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Oh. Oh, non, non, la caméra, non, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la Cité d'Or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien, parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais, c'est nul. Elle s'en mettra.
Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Oh! Attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle... Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du XVIe siècle à Pablo Escobar. C'était plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était... Mais est-ce que tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Mais pourquoi je me fatigue? Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Ça y a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Des calmes, Sully. Relax. Jetons un coup d'œil. Oh, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Un cas, tu crois? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. Ah. Quelque chose? Rien pour l'instant. Sois prudent là-haut. Bon travail, petit. Ah, je crois qu'on va avoir besoin d'une lampe torche ici. Oh, oh, oh! Charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais. Il est où, ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh.
C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais? C'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Les Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Sois prudent, mate. Ça fait une sacrée chute. Sans blague. Ah, ça va marcher. Ok, laisse-moi faire ça. Je vais la maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Grouille-les! C'est vraiment pas passé loin. Espérons que cet endroit a une porte de derrière, hein? Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Ouais, ici. On dirait une sorte de lampe ou de brasero. Regarde si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein? Alors, et maintenant? Ned? Avec 30 ans de moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Continuons. Non.
Tu crois que ça mène où? Attends, je reconnais ces symboles. Il faut respecter l'ordre de ces symboles. C'est profond. Ouais, on dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Attends ici, je vais voir. Bon, sois prudent. Hé, fais attention, tu mets les pieds là-dessous. Wow. Mène quelque part. Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans. J'en ai vu d'autres. Ah, je suis tout trempé. Bien joué. Je prends celui-là. Bon, ça a l'air de tenir. Non. J'ai réussi! Tout va bien! Ok, je
crois qu'on tient le bon bout. Après ça, on a plutôt intérêt. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi ? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Mince. T'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle ? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide ? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi ? Qu'on suive les traces ? Ça s'arrête là. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager un raccourci pour sortir le trésor. Super. Et maintenant ? Attends, Sully, t'as entendu ? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Oh mon Dieu. Qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil ? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre ? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi ? Ok. Je vais employer la manière forte. Tu vas devoir escalader ces falaises pour atteindre le sous-marin.
Tu devrais pouvoir de là descendre directement dans le soir. T'as fait ton rappel anti-tétanique ? Ça, c'est marrant. C'est bon, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Quoi ? T'as trouvé ça, mon pote décomposé de l'au-delà ? Je crois que la piste se réchauffe. Comment ça ? Eh bien, je viens de rencontrer un type avec les poches pleines d'or espagnoles. Seules les pièces sont frappées d'un sceau que j'avais encore jamais vu. Tu le fais marcher ? On dirait que nos amis allemands ont un petit secret. Je suis dans la cabine du capitaine. Et devine quoi ? Il est toujours là. Je crois qu'il a été tué et découpé en morceaux. Triste fin. Ouais, ouais, c'est horrible. J'ai eu les poches. T'as du cœur, Célie. Incroyable. C'est une plaisanterie. T'as quelque chose, gamin ? UK-2642. UK, UK. UK-2642. Je t'ai eu. Est-ce que ça va? Célie, tu vas jamais me croire. Vas-y. J'ai trouvé la page manquante. Tu rigoles? On dirait que Drake et nos amis allemands cherchaient le même trésor. Et j'ai la carte qui va nous y mener direct. Nate, j'espère que c'est pas encore un de tes sales plans. Il faut qu'on ramène quelque chose, sinon... Sinon quoi ? Sully ? T'es là ? Sullivan ? Ça ne dit rien qui vaille.
Bonjour. Un ami à toi, Sully ? Je suis Gabriel Roman. Ouais, je sais très bien qui tu es, sale con. Restons polis, jeune homme. Tout ceci n'est que du business. Va par là. Doucement. En l'air, les mains. Ça, ça va ? Bon, votre ami me doit de l'argent, monsieur Drake. Beaucoup d'argent. Alors, quand il m'a dit que vous étiez sur une grosse affaire, la découverte du siècle, selon lui, eh bien, ça m'a intrigué. Mais il a déjà fait de grandes promesses, n'est-ce pas, Victor ? Et là, ça recommence. Encore des paroles en l'air. Oh là là, il est toujours comme ça ? Calme-toi, Navarro. Alors, je crains que tout soit terminé. À moins, bien sûr, que vous ayez trouvé quelque chose là-dedans, monsieur Drake. Quelque chose qui pourrait compenser tous ces désagréments. Ils se foutent de toi, Annette, ils ont tout entendu. Donne-leur la carte. Doudou. Une carte de la Kriegsmarine ? Quel rapport avec Eldorado ? Quoi ? Tu crois que c'est une coïncidence ? Les Allemands cherchaient le même trésor. Cette carte a un lien avec tout ça. Alors, on est quitte ? Pour l'instant. Mais voilà un petit quelque chose contre l'amnésie. Allez, c'est bon, laisse-le en dehors de ça. Ouais, vous êtes pas plutôt du genre à couper un doigt ou un truc comme ça ? C'est bien trop vulgaire. Non, je pense que ça lui fera un peu plus mal. Voilà, oh, 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 oh ! Allez, Roman ! Il a rien à voir avec... Oh ! Sully ! Sully ! Espèce d'enfoiré ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Écoute, je suis une assez bonne journaliste pour suivre deux voleurs de tombes. Chut ! Il est parti par là ! Il ne te reste plus qu'un voleur de tombes. Sully est mort. Ouais. Et on sera les suivants si on reste là. Oh mon Dieu, je suis désolée. S'il te plaît, dis-moi que t'as un flingue. Bien sûr. Oh, merci. Allez, c'est parti. Drake, attention! Passe ton temps à te faire tirer dessus. Il te tire dessus aussi, tu sais. T'éloigne pas. Il est là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Une longue histoire, je te raconterai plus tard. Et voilà. Non !
viens par ici. Hé, hey, reste près de moi. Par ici, je crois. Oui, par là. T'as toujours été si populaire? Bah, on dirait que j'attire toutes les ordures de la Terre. Elle prend pas pour toi. J'avais compris, ouais. T'as une bonne mémoire? Pourquoi? UK-2642. Tu retiens? Ouais, qu'est-ce que c'est? Les coordonnées de la Kriegsmarine. Je sais où les Espagnols ont mis Eldorado. Eldorado? Le problème, c'est que je suis apparemment pas le seul. Merde! Et si les Espagnols ont trouvé le trésor, ils ont dû le cacher là, sur cette île. Et Drake les a suivis. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Je vais avoir mon histoire, et toi, t'auras le truc que tu cherches. Allez! Hé, hey, tu sais, ça va pas être des vacances. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Et en plus, tu me dois quelque chose. Si tu le dis. Nous sommes sur la piste du trésor perdu d'Eldorado, qui nous a menés ici, sur cette petite île au beau milieu de l'océan Pacifique. On va s'approcher un peu. Espérons qu'on soit les premiers. Allons-nous découvrir les ruines d'une colonie oubliée et une fortune en or espagnole? Ou est-ce que cette île nous réserve des surprises bien plus sombres? Ça devrait les empêcher de zapper. Ah! Attends, c'était quoi ça? Des tirs anti-aériens. Ça, ça ne fait pas du tout. Oh merde! On est en feu! Éteins cette foutue caméra, on va le voir sauter! Sauter? Il y a des parachutes là-dedans, au moins! C'est le moment de le découvrir! J'espère que ces trucs marchent encore! On va pas tarder à le savoir! T'as déjà fait ça avant? Bien sûr! Il faut juste sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde! Maintenant, vas-y! Tu viens pas? Je suis un peu occupé, tu vois? Allez, saute! Oh! On se retrouve en bas? Vas-y, je te suis! Je me fais attaquer par les inconnus, j'oublie la carte dans un avion en flammes, je perds Elena,
qui est sûrement morte. Continue comme ça. Il est là. Ouais, super. Bouffe la poussière. Ok. Sympa. Yeah.
Oh la vache. Ça craint. Elena.
Par là! Non! Oh! Attention, je mets les pieds. Tiens bon, Elena. C'est pas possible. Regardez devant, pas en bas. Yeah. C'est pas trop tôt. Oh non, c'est pas vrai. Mais je viens de là, non ? Que je passe à travers cette fenêtre. Ça. Joli. Ah. Oh non. Aucune trace d'elle. C'est soit très bon signe, soit très mauvais. Elena ? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Allô ? Buka Pintu ! Ah, oh, merde. Sialanlo, Shepatan, Buka Pintu.
Ça a marché. Il est là, là-haut. Prends le flingue. Oh merde. Bon sang, Elena, où tu es? Attends voir. Pourquoi cette tour est-elle si importante? Oh! Enfoiré! J'ai failli l'avoir!
braquer. Ah, ah, qu'est-ce que c'est? Pardon. Merci. Oh. Où est-elle?
C'est pas espagnol, ça. C'est anglais. Oh! Fletcher, nous sommes partis à la Grande Tour. Je prie pour que nous nous y retrouvions. Francis Drake? Waouh! Donc t'es bienvenu ici. Mais qu'est-ce que tu mijotais? Le voilà! Ça doit être la tour de Drake. Où est-elle allée? C'est pas drôle, hein. Ça devait être à Drake. Qu'est-ce que tu cherchais ici, hein? Tiens, tiens, ça me dit quelque chose. Mais les navires sont toujours là? Elena? Hé, par ici. Oh merde! Je sais que je ne suis pas un grand chasseur de trésors comme toi, mais je doute que tu trouves Eldorado par ici. Comment tu t'es fourré dans ce pétrin? En essayant de te sauver, pour tout te dire. Oh, comme c'est mignon. Des briques traditionnelles de grès et de stuc, du mortier friable... Hey, tu peux me dire comment tu sais tout ça? Mon émission, épisode 4, architecte du Nouveau Monde. Ouais, il suffira de rien pour arracher ces barreaux. Quoi? Non, attends, t'es sûr? Bouge-toi de là, pauvre crétin! Ouvre-moi cette porte, tête de l'œuf! Oh, merde. Drake! Diracha, j'aurais dû m'en douter. Un document fascinant, hein? On dirait que Sir Francis était dans la même branche que moi. Te jette pas de fleurs, Eddie. Alors comme ça, on est toujours ennemis, hein? Je vais te dire, mène-moi jusqu'alors et je te laisserai peut-être en vie. C'est tout. C'est ça le deal. Mourir maintenant ou t'aider et mourir plus tard. Pas facile comme choix, mais tu sais quoi? Je préfère mourir. Tu vas la fermer! Écoute-moi bien, Astico. On m'a promis un trésor sur ce satané rocher. Et maintenant, mes hommes sont en train de crever. Ils peuvent même pas sortir pour pisser sans un quart d'armée. Et je peux absolument rien y faire! Je suis en train de te faire une offre correcte. Tu m'aides à trouver le trésor, et le dernier homme en vie récupère l'or! Et la fille, bien sûr! La fille? Oh, Eddie, la fille est déjà loin. Elle a sûrement quitté l'île maintenant, pour chercher de l'aide.
Espèce de gros menteur! T'as jamais été très bon au poker? Je vais la trouver. Crois-moi, c'est sûrement pas une fille qui va m'impressionner. Alors? Tu viens? Merci. Hé! Merde alors! Bon, bon boulot! Merci. Hé, allez! Ouvre-moi ça! Accroche-toi! On se marie, les gars! Faut les suivre! Ils sont là! Ah! Ouh! Alors, hein? Est-ce que tu sais où tu vas? Non! Oh! Suis-les! Et voilà! Oh! C'était qui ce type? C'est juste un ancien. Ah, fais gaffe! Oh non! Accroche-toi! Ok. Attrape ma main. Ok. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Mais dis donc, tu saignes? Ça fait couleur locale. Allez, on se tire d'ici. Merde! Allez! Vous nous quittez? Hé, hey, Eddie! Vous pensiez tout de même pas pouvoir m'échapper, pas à moi! Oh non! On allait juste faire une petite balade digestive. La ferme! Je sais que vous travaillez aussi pour eux. Hein? Vous pensiez me la faire à l'envers et vous partager le butin, hein? C'est ça? Bonsoir, ce type est givré! Eddie! On se calme, mec! On dirait que la chance tourne! Vous êtes piégé. Maintenant, donnez-moi cette carte. Accroche-toi. D'accord. Je m'incline. T'as gagné. Hé hey, pas un geste. Relax, Eddie. Je prends juste la carte comme tu me l'as demandé. J'ai dit accroche-toi. Je le suis.
Ou alors, tu me la donnes? Bah, tu viens de me dire de pas bouger. On dirait que tu vas devoir venir la chercher. Ah, c'était une grosse erreur. Sans blague. Tu sais, j'aurais dû tourner avant le pont. C'est très marrant. Oh, viens une minute. Faut que tu vois ça. Ce truc marche encore ? Regarde ça. Ok. Tu vois ce bâtiment sur le port ? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben il aurait dû transiter par là. Attends une minute, c'était quoi ? Quoi ? Rembobine. Ouais. Attends, stop. Juste là. C'est notre billet de retour, allez. Notre billet de retour ? Tu laisses tomber ? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais on n'est que deux. On se débrouille bien jusque là. Je crois pas. Elena, je veux pas avoir ton corps criblé de balles sur la conscience, on y va. Oh, arrête ça, tu veux ? Pars de ton côté si ça te chante, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien. C'est moi, ok ? Je laisse tomber. Alors, tu viens ou pas ? Alors, c'est tout. Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Elena, ça vaut pas le coup de risquer nos vies. Ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut qu'on retourne au port. T'inquiète pas pour ça. On pourra en débattre plus tard. Ça va être cool. Attends. Cette fois, je conduis. Ok. Je comprends pas. Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte ? Le voilà. Il ne reste plus qu'à trouver comment entrer. Tu sais, une fois j'ai lu un truc sur un trésor inca maudit. Imagine que... Me dis pas que tu crois à ces conneries. Je dis juste que quelque chose de terrible s'est produit ici. Une colonie entière ne disparaît pas par enchantement. Ouais. Alors c'est quoi ta théorie ? Merci. Y arriver en suivant ce câble. Allons voir ça de plus près. Je reste là et je te couvre pendant que tu descends. Essaie de trouver un accès à cette tour. Non ! Il est là ! Il va mourir en maintenant. Oh ! Arrêtez ! Mais on joue !
Il est là-bas. Faut que tu ailles à cette tour. Je te retrouve au poste de douane. Le voilà! Le voilà! Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là, statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça.
Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein, il n'y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial ? Quoi ? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Hein ? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna ? La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596 ? Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là ? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil ? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Ok. Ah. Je vois pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Hé, tu sais quoi ? Pourquoi j'attendrais pas ici que tu... que tu reviennes me chercher ? Ok, qu'est-ce que tu mijotes ? Mais rien ! Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Je suis énervé. Sors de là ! Pourchasse-le !
Chargez tout ça sur le bateau. Bougez-vous ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate ! Mais qu'est-ce que t'as ? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi ? N'oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance ? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi qu'on traîne par ici ? C'est bizarre. Mais non. Celui-là a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis ? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'il bosse pour eux ? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Tu vois ces traces ? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena ! J'y arrive pas ! Donne-moi ton autre main ! Il faut que tu la lâches ! Mais merde ! Fais chier. Okay. Tout va bien. Allez. Ça va. Thank you.
Allez. Tout va bien? Ouais. Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Ralenti, tu veux? Un des hommes dédits pourrait nous attendre. Allez, ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh mon Dieu! C'est dégoûtant! Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or? C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve! Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi, c'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Les laissez pas partir. Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. Écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il faut avec eux. Ce salopard a aucune parole. Ah!
J'ai un mauvais pressentiment. Je sais, moi aussi. On trouve Sullivan et on se tire d'ici. Bien joué! Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. T'es prêt? Bon, tu peux lâcher. Doucement. Oh, j'ai dit doucement. C'est sûrement la bibliothèque. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme. Hein. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Eh ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus ce qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mine-toi, hein. Le chef, il a pas que ça à faire. Hé hey, là-haut! Oh, merde. Je la vois. Oh, mon Dieu! Oh, non. Ils sont là-bas! Le voilà! Oh non. Allez-y. Il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein?
Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole. Et on trouve la salle. Ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas, Célé. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Ces statues sont étranges. Ok. Non, c'est pas ça. Bingo. Encore une bibliothèque. Ok, quoi encore? Tiens, ça me dit quelque chose. Ça a l'air prometteur. Ok, laisse-moi voir. Ouais. Ok. Vous bougez pas, je vais aller voir ça. Wow. Non, pas question que tu ailles tout seul. Eh ouais, les hommes de Roman grouillent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok, prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13, ils l'utilisent pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate, sois prudent. Voyons, je le suis toujours. Oh ! J'avais pas vu ça ! Ah ! Ok, pays des morts. Me voilà.
Wow, wow. Tout est là, sous nos yeux. On peut y arriver, petit. Mais comment est-ce qu'il compte sortir cette statue de toute manière? Totalement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Roman? Mes hommes se font massacrer! J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse venir à bout d'un équipage tout entier. Mais y a pas que Drake, c'est pas vrai! Je vous le dis, cette île est maudite! Ça suffit! Prends ton équipe de minables et partez. Non, vous pouvez pas faire ça. J'ai droit à ma part du trésor! Ta part, Eddie, n'était acquise que si tu faisais ce que je t'avais demandé. Tu m'as assuré que Drake était prisonnier et que l'île était sûre. Oh, c'est que des conneries, Roman! Et vous le savez! On en reste là, monsieur Raja. Taekamo! Vous allez me le payer! Tôt ou tard! Rappelle-moi pourquoi tu as engagé cet imbécile superstitieux. Il vous fallait un type pas cher. Eh bien, je suppose que j'en ai pour mon argent. Et dans ton cas, Navarro, est-ce que tu vaux le prix que je te paye? La salle est ici. J'en suis sûr. Si Sullivan est digne de confiance... Ce n'est pas le cas. Mais il sait qu'on le tuera s'il ment. Ne sois pas stupide, on ne le tuera que quand on aura le trésor. Il n'a pas intérêt à nous dire la vérité. Vraiment, Navarro, parfois je me demande si tu n'as pas laissé ton cerveau dans le taudis où je t'ai trouvé. Il me faut juste un peu plus de temps. Ta chasse au trésor nous pose beaucoup de problèmes, et on ne sait même pas si elle en vaut la peine. Je vous assure, Eldorado vaut beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vaudrait mieux. Huh?
Ça doit être ça. Ah ah. Salut. Dites-moi que c'est pas vrai. Hey, salut. Je t'écoute. Tu te rappelles Roman et Navarro et cette fausse piste sur laquelle tu les as envoyés? Ouais. Bah, ils sont assis pile au-dessus de la salle du trésor. Oh, tu parles un coup de bol. Bon, je vais avoir besoin d'une diversion pour qu'ils sortent. Aucun problème. Une diversion, je m'en occupe. Hé, Sully. Ouais. Après ça, retrouve-moi au mausolée. Mais passe par les catacombes, c'est bien plus sûr. Ok. Maintenant, faut juste que je passe tous ces gardes sans me faire repérer. Sullivan s'est échappé! Dispersez-vous et trouvez-le! Salut. Salut. Je savais que tu y arriverais. C'est quoi la suite? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Ha ha ha!
vache. Roman et Navarro ont mis un de ces boxons ici. Les affaires reprennent. Ouh. Ouais. Cadeau. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. Putain, c'est quoi ce truc? Se laissant de là. Hein? C'est un piège! Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, ouais, ça va. J'ai rien cassé. Mais non, t'as mis le paquet. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. On est obligé d'avancer. Ouais. C'est quoi cet endroit ? Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Quelle direction choisir ? Attends un peu. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Ça veut sûrement dire quelque chose. Je vais rester là à faire le guet pendant que toi tu trouves un moyen de traverser. Ça doit bien servir à quelque chose. Passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. Sully, tu me reçois? Merde, que dalle! C'est bon. Tout va bien. Ah.
Ok. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Qu'est-ce que c'est ? Tuez-les tous les deux. Ah, et ben c'est de mieux en mieux. Je vais la voir. Les voilà. Il a aucune chance. J'espère que ça mène quelque part. Ici. Tout ça est si vieux. Nate ? C'est Drake. Il l'a pas trouvé, il est juste mort ici. Tout ça pour la grandeur.
Une vie gâchée. Pour rien. Nate, est-ce que t'es prêt à partir? Ouais. Plus que jamais. On dirait qu'il y a des sortes de machines là-haut. Là, il y a une échelle. Eh, je crois que je peux l'atteindre si tu m'aides. Allez. Allez, grimpe. Oh, t'es plus lourde que t'en as l'air. Tu peux l'atteindre? Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Il y a une corde! Je vais essayer de te la passer. Oh, je vois un tunnel! On peut sortir par là! Salut les mecs! Du calme, Eddie, du calme. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu les as pas vus? Oh non! Mon Dieu, non! On est piégés! Putain, mais c'est quoi? C'est mort! On va tous cramer! Non! Eddie, reviens par là! Oh merde! Drake, si jamais on doit y rester, je veux que tu saches, je peux pas te saquer! Ouais, pareil, mon pote. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? Dépêche-toi de descendre la corde! Vite! Qui pourront pas passer. Nate. Quoi? On est où, là? Je sais pas trop, là.
Fonce. Ouais. Wow. Wow. Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là, regarde ça. Alors ils l'ont trouvé. Ils ont dû s'introduire dans la salle et tout prendre. Ouais, mais qu'est-ce que le monastère a à voir là-dedans? Je sais pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est là que se trouve la statue... Oh merde, on était vraiment juste au-dessus. Je suis sûr qu'on peut remonter à la surface. Les nazis ont pas dû payer l'électricité? Et merde! Tu vois, je suis sûr que si on trouvait la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? J'ai trouvé la sortie. Bien joué. Ouais. Bon, on y va. Non, c'est à toi de jouer, cowboy. C'est quoi ce délire? Nate, tu sais très bien que j'y arriverai pas. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher, et après, on se tire d'ici, ok? Allez, fonce. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. Sullivan, réponds. On est... Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça doit être la salle des machines. Dieu soit loué. Ah !
c'est pas possible. Quelle journée pourrie. Oh, ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. Comment je vais sortir de là? L'Eldorado porte une terrible malédiction. Les Espagnols ont libéré les enfers et en deviennent les suppôts. Mes hommes ont tous été assassinés, me laissant seul avec notre quête. Aucun navire ne quittera cette île. Je les ai tous détruits et j'ai noyé la cité maudite. Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. En cet instant ultime, je remets mon âme à Dieu. Qu'il pardonne en cet endroit maudit. Francis Drake. Mon Dieu. Oh non, pas encore. Là-dedans 5 sur 5, enfoiré. Oh, pas de micro de votre côté? Quel dommage. Nate, ça... Laissez-la tranquille, sale fils de... Ah. Navarro, si tu n'arrives même pas à contrôler une pauvre fille... Ça n'arrivera plus. Croyez-moi. Désolé pour cette interruption. Je voulais juste vous dire merci pour nous avoir menés à Eldorado. Bien sûr. Oh, vous ne m'en voudrez pas si nous... Gardons Mademoiselle Fisher un peu plus longtemps. Juste pour vous décourager, vous et votre partenaire, d'être trop créatifs. Adieu, Nate. Ce fut un plaisir. Ouais. Rigole, trou du cul. C'est pas fini. Yeah.
merde, c'est pas bon ça. Sonny, tu m'entends? Fais chier!
Sully, répond. Oh, Dieu soit loué. Nate, t'es où? J'arrive. Ils retiennent Elena, faut qu'on les arrête. Ouais, moi je suis dans la merde. Ces salopards m'empêchent d'entrer dans l'église. J'y suis presque. L'amour de Dieu. Merde, y'en a partout! Recule, Sully! Ok, à plus. Par ici, Sully. Il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi? Il est maudit, c'est pas possible. Oh, Nate, nom de Dieu! Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. Vous devriez pourtant savoir que je suis paré à toute éventualité. Lâchez vos armes. Là-bas. Pas de bêtises, je vous en prie. Ou bien je la tue. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous serons à vous dans un instant. C'est magnifique. De toute beauté. Je n'avais rien vu de tel auparavant. C'est qu'une enveloppe. Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Observe bien. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro, cette chose a exterminé toute une colonie. Tu sais pas ce que tu fais. Faux. Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait. Carguela, est à toi. Cuidado. Vous êtes tellement pathétique à vous chamailler pour votre cher petit trésor. Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor? Levantez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, Sully. Fidèles au poste. Sullivan, cette chose ne doit pas quitter l'île. Il faut l'arrêter. Vas-y, je te couvre. Thank you.
Bah ouais, sauver le monde, vaincre le mal, normal quoi. Bien sûr. Dommage de devoir partir les mains vides. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Tiens, je me suis dit que ça te manquerait sûrement. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Salé. Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé. J'ai trouvé un bateau. Mais on a déjà un bateau. Oui, un gros bateau. Moi, je préfère celui-là. Celui était vraiment incroyable. Oh. Je l'ai piqué à deux pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler. Je suis désolé pour ton article. Non, oh, t'inquiète pas, il y aura d'autres cases. Tu me dois toujours quelque chose. T'inquiète pas pour ça.